Scandale dans l'équipe nationale, André Onana accusé d'écarter son rival Fabrice Ondoa. Des accusations explosives secouent l'équipe nationale de football, alors que le sélectionneur Marc Bri dévoile sa liste des 31 joueurs retenus pour les prochaines échéances. Au cœur de la polémique, la non-sélection de Fabrice Ondoa, alimentant les soupçons d'une manipulation orchestrée par André Onana. Décryptage d'un scandale sportif qui ébranle les fondations de la tanière. L'équipe nationale de football est secouée par un scandale retentissant, révélé par la publication de la liste des 31 joueurs convoqués par le sélectionneur Marc Bri. Au centre de la controverse, la non-sélection de Fabrice Ondoa, gardien de but rival d'André Onana, suscite des accusations de manipulation et de favoritisme. Les coulisses du football camerounais s'ouvrent sur un conflit qui menace l'unité de la tanière. Les révélations fracassantes sur la composition de l'équipe nationale de football du Cameroun font état d'une sélection controversée, mettant en lumière les conflits internes et les rivalités qui minent l'unité de la tanière. Selon des sources concordantes, la non-inclusion de Fabrice Ondoa dans la liste des joueurs retenus soulève des questions sur l'intégrité du processus de sélection et alimente les spéculations quant à d'éventuelles manœuvres en coulisses. André Onana, gardien de but de renom évoluant à l'Ajax Amsterdam, se retrouve au cœur de la tourmente, accusé d'avoir influencé la sélection en écartant son rival de toujours, Fabrice Ondoa. Les allégations selon lesquelles Onana aurait proposé la liste des joueurs retenus ou aurait exercé des pressions pour évincer Ondoa soulèvent des doutes quant à l'équité du processus de sélection. La liste dévoilée par Marc Bri révèle également des choix stratégiques et des retours remarqués au sein de l'équipe nationale. Le retour de Michael Ngadeu en défense, ainsi que les convocations de joueurs tels que Carlos Balba, Vincent Aboubakar et Brian Mbeumo, illustrent les décisions du sélectionneur dans un contexte marqué par la controverse. En conclusion, le scandale qui entoure la sélection de l'équipe nationale de football du Cameroun met en lumière les tensions et les rivalités qui traversent le monde du sport. Alors que les accusations de manipulation et de favoritisme se multiplient, l'unité de la tanière est mise à l'épreuve. L'avenir de l'équipe nationale dépendra de sa capacité à surmonter ses conflits internes et à se concentrer sur l'objectif commun, la réussite sur le terrain. Les dessous de la convocation de Martial Onana, tensions entre médias et politiques au Cameroun. Au cœur des jeux d'influence et des tensions politiques au Cameroun, la convocation du journaliste Martial Onana au secrétariat d'État à la Défense, CED, suscite l'inquiétude. Entre pression politique et relations complexes avec les médias, cette affaire révèle les défis auxquels sont confrontés les journalistes dans le pays. Au sein du paysage médiatique camerounais, les relations entre médias et politiques sont souvent sujettes à des tensions et des controverses. Ces derniers jours, l'affaire de la convocation de Martial Onana, journaliste et directeur de la rédaction de Vision 4, au CED, a ravivé ses préoccupations. Les détails de cette convocation et les échos qui l'entourent soulèvent des questions cruciales sur la liberté de la presse et l'indépendance des journalistes au Cameroun. Martial Onana, connu pour son rôle au sein de la chaîne de télévision Vision 4, a été convoqué au CED, un lieu souvent associé à des enquêtes sensibles et à des questions de sécurité nationale. Cette convocation intervient dans un contexte déjà tendu pour le journaliste, qui avait été écarté de ses fonctions en 2023 pour avoir partagé un document classé « top secret ». Malgré cela, des rumeurs laissent entendre que le lien de confiance entre Onana et Jean-Pierre Amougou-Belinga, patron du groupe de presse L'Anecdote, se serait renforcé, laissant penser que sa réintégration aurait été orchestrée sur ordre direct de Belinga. Cependant, la situation se complique avec les appels reçus par Onana de la part de personnalités influentes telles que Grégoire Onana et Clément Atangana, ainsi que les conseils d'Amougou-Belinga de ne pas se rendre au CED. Ces éléments soulèvent des questions sur les possibles pressions politiques exercées sur le journaliste, mettant en lumière les enjeux complexes auxquels sont confrontés les médias et les journalistes au Cameroun. En conclusion, la convocation de Martial Onana au CED révèle les tensions persistantes entre médias et politiques au Cameroun. Cette affaire soulève des interrogations sur la liberté de la presse et l'indépendance des journalistes dans un contexte où les liens entre médias et politiciens sont étroits. En stimulant la réflexion et le débat, il est crucial de rester vigilant quant à la protection de la liberté d'expression et du journalisme indépendant dans le pays. Qu'en pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous que la liberté de la presse est menacée au Cameroun? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne Flash Info pour plus de contenus exclusifs sur les enjeux médiatiques et politiques au Cameroun. Conflit médiatique, le journaliste Guizogo et Moussa Njoya au cœur d'une tension explosive. Dans une polémique enflant autour de l'affaire Martinez-Zogo,
le journaliste de renom Guy Zogo se retrouve au centre d'un scandale suite à des accusations de diffusion de fausses informations. Moussa Njoya, politologue camerounais, révèle les dessous de menaces et de diffamations présumées, mettant en lumière les enjeux de l'éthique journalistique et de la véracité de l'information dans le paysage médiatique actuel. Le paysage médiatique camerounais est secoué par un scandale de proportions considérables. Guy Zogo, figure éminente du journalisme, se retrouve sous les feux des critiques suite à des allégations de diffusion de fausses nouvelles concernant l'affaire Martinez Zogo. Les accusations portées par Moussa Njoya, politologue renommé, ont ouvert la boîte de Pandore, révélant un conflit médiatique qui transcende les simples enjeux professionnels pour toucher au cœur même de l'intégrité journalistique. L'affaire Martinez Zogo, déjà marquée par des controverses et des zones d'ombre, prend une nouvelle tournure avec les récentes révélations de Moussa Njoya. Accusant ouvertement Guy Zogo de distiller des informations erronées sur les ondes d'Equinox TV, Njoya soulève des questions cruciales sur la responsabilité des médias dans la diffusion de l'information. Les menaces proférées à son encontre, dénoncées publiquement par Njoya, soulignent les tensions palpables entre les acteurs médiatiques impliqués dans cette affaire. Les déclarations de Moussa Njoya, étayées par des preuves tangibles sous la forme de vidéos et de déclarations précises, mettent en lumière un problème plus large de véracité et d'éthique dans le journalisme contemporain. Les fausses nouvelles, amplifiées par la vitesse et l'accessibilité des médias modernes, représentent un défi de taille pour la société camerounaise, sapant la confiance du public et compromettant l'intégrité du quatrième pouvoir. Dans ce contexte, la réaction de Guy Zogo revêt une importance cruciale. Son refus apparent de reconnaître les erreurs présumées et son comportement jugé arrogant par certains soulèvent des questions sur la responsabilité individuelle des journalistes dans la diffusion de l'information. Alors que le procès de l'affaire Martinez Zogo approche, la nécessité d'une couverture médiatique rigoureuse et éthique devient plus pressante que jamais. En conclusion, le conflit entre Guy Zogo et Moussa Njoya expose les failles d'un système médiatique en proie aux tensions et aux pressions externes. Au-delà des personnalités impliquées, c'est l'intégrité même du journalisme qui est en jeu. En tant que spectateur, il est de notre devoir d'exiger un traitement éthique de l'information et de rester vigilant face aux manipulations et aux faux récits qui peuvent compromettre notre compréhension du monde qui nous entoure. Qu'en pensez-vous de ce conflit médiatique ?